pressure coming here. End zone. Pass caught. It's a touchdown. What a ball from Pettit. And a chance for Theo. It's into the net. Touchdown. Whoa, wow, that is a risky challenge by Granit Xhaka. Scott Hansen here on week number four. Always fantastic action. Edwards-Helaire, touchdown! The DAZN Boxing Show, live. We are taking the show on the road. The 11 show, 7 weeks, 6 different countries. The biggest names on the biggest stage. Games like this, we woke up ready. It's up with us, man. Let's go, man. Touchdown, Ron Smith! We're going up. We're going places. 2 world wars by doing jumping jacks, push-ups, and sit-ups. Set hit! Oh, I'm sure he's getting up from that. There's that left hook. He was paralyzed. We have just witnessed history. The world was telling us there's one way to be Mexican, Oscar's way or the Julio way. Cristiano Ronaldo scores! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue au Parc des Princes, oui, pour cette affiche entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, match comptant pour la 5e journée de la phase de groupe de l'UEFA Women Champions League, une affiche palpitante, une affiche peut-être décisive, à suivre évidemment en direct et en exclusivité sur la chaîne YouTube de DAZN, comme toujours. Et 5 jours, oui, seulement, après leur succès 1-0 sur la pelouse de l'OL, les Parisiennes veulent confirmer, oui, leur titre fraîchement décroché de championne d'automne au niveau national par une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions au niveau européen. Pour cela, vous le voyez avec le classement à l'appui, la mission est claire. Il faut impérativement s'imposer ce soir face aux Espagnols. Dans le cas contraire, il faudrait attendre la dernière journée et un déplacement périlleux du côté de Chelsea le 22 décembre prochain pour être sûr de participer au quart de finale au mois de février et mars prochain, au printemps prochain. Les joueuses de Chelsea qui se sont imposées il y a quelques minutes de cela sur la pelouse de Vlasnia en Albanie, 4-0 avec des buts d'Ingle, Kirby, Zvitkova et enfin Mielde, une victoire synonyme de qualification pour les Blues qui seront du rendez-vous des quarts de finale. Donc au printemps prochain, reste au Paris Saint-Germain de venir les accompagner dans cette mission, s'imposer ici même au Parc des Princes face à ces Espagnols du Real Madrid. Pas facile, mais toutefois tout à fait envisageable quand on voit les précédents résultats entre ces équipes. Le Paris Saint-Germain qui reste invaincu face au Real après 3 confrontations, 1 résultat nul à l'aller, on le rappelle, 0-0 sur la pelouse du Real, et puis 2 victoires la saison dernière. C'était déjà en phase de groupe avec un mémorable 4-0 ici même
au Parc des Princes, avec notamment un doublé ce soir-là de Marie-Antoinette Katoto, la meilleure buteuse, on le rappelle, de l'histoire du Paris Saint-Germain. Elle est présente d'ailleurs ce soir dans les travées du Parc des Princes et on la salue, l'attaquante internationale française, et on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. On espère peut-être, tiens, la retrouver si le Paris Saint-Germain se qualifie au stade des quarts de finale. Mais avant cela, il faudra s'imposer ce soir et on pourra, du côté du Paris Saint-Germain, compter encore une fois sur Khadidia Toudiani, la sérielle buteuse cette saison du Paris Saint-Germain, elle qui a déjà inscrit 13 buts en 17 rencontres, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, et 4 notamment dans cette même Ligue des Champions. Le dernier but inscrit par celle qui porte désormais des cheveux verts, sa longue tresse verte que vous verrez encore ce soir sur le front de l'attaque du Paris Saint-Germain. Son dernier but, c'était évidemment sur la pelouse du Parc OL dimanche dernier. Une victoire qui a permis donc aux joueuses de Gérard Prêcheur de terminer en tête de cette D1 Arkema à l'issue de la phase aller. Allez, l'entrée des joueuses de ce Paris Saint-Germain Real Madrid sur la pelouse du Parc des Princes. Comme la saison dernière, on comptera évidemment sur le soutien des ultras parisiens pour pousser les parisiennes vers ce succès, un succès qui serait donc synonyme de qualification pour les quarts de finale. On le rappelle, hier, l'autre club français, l'Olympique Lyonnais, s'est imposé sur la pelouse d'Arsenal et sera donc en position favorable avant la dernière journée et la réception de la Juventus Turin. On espère voir évidemment l'autre représentant français, le Paris Saint-Germain, dans les meilleures dispositions et qui sait décrocher dès ce soir son ticket pour les quarts de finale dans ce groupe A. Vous avez pu voir certains visages familiers dans le 11 du Real Madrid, on y reviendra dans quelques minutes. Voilà les visages du Paris Saint-Germain, avec Grace Gueyoro comme capitaine ce soir. On a vu Sarah Boadi, on peut voir évidemment Khadidia Toudiani ou encore Kera Amraoui. Fait moins 2 degrés ce soir sur la capitale parisienne. Voici le 11 aligné ce soir par Gérard Prêcheur. Ça n'est pas compliqué, c'est le même que celui qui s'est imposé dimanche sur la pelouse de l'OL. Un 4-3-3 traditionnel avec Kera Amraoui au milieu de terrain donc, et puis Ramona Bachmann préférée à Lieke Martens sur la ligne d'attaque, avec toujours la présence de Khadidia Toudiani, donc la meilleure buteuse du championnat de France cette saison. L'arbitre de la rencontre ce soir, c'est madame Lina Letovara, l'arbitre finlandaise de 41 ans qui a déjà arbitré le PSG. C'était face à Braga en 2019. Victoire 7-0 des Parisiennes ce soir-là. Et la saison dernière, elle avait arbitré le quart de finale de Ligue des Champions entre le Real et le Barça, mais aussi la finale de la dernière Ligue des Champions et la victoire, on le rappelle, de l'Olympique Lyonnais face au Barça 3-1. C'était le 21 mai dernier du côté de Turin. Kenny Robles, la capitaine mexicaine du Real Madrid, avec Grace Gueyoro, la capitaine du Paris Saint-Germain ce soir.
Et voici le 11 du Real Madrid. Un changement seulement dans le 11 de départ d'Alberto Toril par rapport à l'équipe alignée ce week-end face à l'Atlético dans le derby. Une victoire 1-0 du Real. C'est la Suédoise Olofsson qui prend la place de Sornosa au milieu de terrain. A noter un 4-2-3-1 où figurent les Françaises Santi Toletti et Naomi Feller. Kathleen, la défenseur centrale brésilienne du Real Madrid, une ancienne connaissance de l'AD1 Arkema puisqu'elle a évolué quelques saisons du côté de Bordeaux. On espère la voir malmenée par l'attaque parisienne et peut-être par cette joueuse encore une fois, Khadija Toudjiani. Le coup d'envoi donné pour cette rencontre, ce choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Match comptant pour la cinquième journée de cette phase de groupe dans le groupe A de la Women's Champions League. Un match probablement décisif dans la course à la Ligue des Champions et les quarts de finale le printemps prochain. On le rappelle, Chelsea a déjà décroché dans ce groupe son ticket pour les quarts. La bataille entre le PSG et le Real s'annonce décisive ce soir au Parc des Princes. Allez, Kera Amraoui avec Grace Guilloro. Oriane Jean-François, voilà les trois joueuses alignées au milieu de terrain par Gérard Prêcheur ce soir. La Canadienne Ashley Lawrence, ça c'est un grand classique dans la défense parisienne. L'internationale canadienne qui va débouler sur son couloir droit régulièrement, peut-être avec Sandy Baltimore. Ce soir, on risque de voir Ramona Bachmann et Sandy Baltimore bouger d'une aile à l'autre, venir perturber le bloc madrilène. À l'image de Sandy Baltimore ici. Et le long ballon d'Amanda Hilstedt à destination justement d'Ashley Lawrence. Et c'est Carmona. Olga Carmona qui a repoussé ce premier ballon. Le Real Madrid qui figurait donc déjà dans le groupe du Paris Saint-Germain pour rappel la saison dernière. Le PSG et le Real s'étaient qualifiés pour les quarts de finale. Cette année, seulement un des deux pourra continuer l'aventure européenne puisque Chelsea est déjà qualifié. Et on le rappelle, une victoire ce soir du PSG et ce seraient les Parisiennes qui seraient sûres de se qualifier avant la dernière journée, la semaine prochaine. Naomi Feller, ça aussi, c'est une joueuse qu'on connaît du côté du championnat de France. Passé par Reims et l'Olympique Lyonnais. C'est la joueuse en forme du côté du Real Madrid. Il faudra la surveiller sur son côté gauche. Nommée joueuse du mois de novembre en Espagne. Elle commence à faire sa place sur le front de l'attaque du Real. Et c'est une joueuse en forme. Baltimore. Qui retrouve Grace Guilloro avec Amraoui. On va repasser cette fois-ci côté gauche avec Elisa De Almeida pour Sakina Karchaoui. Le centre de Sakina Karchaoui à destination de Khadidiani, bien coupé par la brésilienne Kathleen et Robles. Trouve déjà en soutien l'attaquante de pointe du Real Madrid. On évoquera évidemment la présence d'Esther González
Et ce numéro 11 aussi qu'on surveillera avec attention, l'écossaise Caroline Ware, la maître à jouer de ce Real Madrid. Attention, ce 1-2, la bonne lecture de la défense parisienne. Et pourquoi pas ce ballon pour Khadidia Toudiani. Elle aime la profondeur, la parisienne. Elle va chercher du soutien peut-être avec Sandy Baltimore dans la surface. La frappe de Sandy Baltimore et la transversale. Quelle première occasion dans cette rencontre à mettre au profit du Paris Saint-Germain. La belle tentative de l'attaquante internationale. On va revoir ce ralenti, le décalage de Khadidiani, un contrôle et tout de suite sur un pied, elle tente sa chance, c'est enroulé du gauche qui vient mourir sur la transversale de Missa. Voilà qui donne le ton dans cette rencontre. Le Paris Saint-Germain qui n'a jamais encaissé en trois confrontations le moindre but face au Real. Et ça n'était pas de si loin sur cette tentative là aussi d'Athénéa del Castillo, détournée par Elisa de Almeida, le nouveau coach du Real, Alberto Toril. Et cette frappe donc pas très loin de prendre à contre-pied Sara Boadi. Attention à ce premier corner, la réponse du Real Madrid juste après cette occasion en faveur de Sandy Baltimore. Caroline Ware justement, l'écossaise, qui s'en charge au premier poteau. C'est repoussé. Et attention à la frappe. Le poteau à nouveau. Oh, le poteau qui vient sauver Sara Boadi sur cette frappe lointaine, instantanée. Ce match est parti, dis donc, sur un rythme assez incroyable. C'est Olofsson, la Suédoise, qui ne s'est pas posé de questions sur ce ballon repoussé par Oriane Jean-François. Et du droit, elle vient trouver le poteau au droit de Sara Boadi qui semblait battu. On a dû réchauffer déjà en moins de 6 minutes les supporters du Parc des Princes ce soir. Le ton est donné dans cette rencontre. Olofsson a répondu à Baltimore. 0-0 au match aller, mais si on part sur ce rythme-là, on serait bien étonné de voir le score rester vierge encore une fois. À Caroline Ware. Caroline Ware du gauche. La tentative de l'écossaise qui manque le cadre. Crochet du gauche. Elle arrive à prendre de vitesse Kiera Amraoui. Cette fois-ci, elle était sur la trajectoire du ballon, Sara Boadi. Allez, on va retrouver un peu nos esprits. Reposer un peu le jeu. Autant le match aller avait été extrêmement fermé, extrêmement cadenassé. On avait vu quasiment aucune occasion franche de part et d'autre. Peut-être un duel perdu malheureusement par Khadidiani face à Missa. Allez, peut-être là, ce ballon de grâce Guéhiro dans la surface. Guéhiro à nouveau avec Sandy Baltimore. Elle a du feu dans les jambes ce soir, Sandy Baltimore. De Almeida. Allez, on est côté gauche cette fois-ci. Avec Sakina Karchaoui qui aime ses percées dans l'axe. Elle semble se plaindre d'un coup sur la cheville gauche. L'internationale française, ça n'est pas signalé par l'arbitre finlandaise. Et ce jeu qui se poursuit avec Athénéa. Athénéa qui passe face à Ramona Bachmann et qui obtient même une faute devant la Suissesse. Là aussi, Athénéa del Castillo, une joueuse extrêmement technique, un petit poison, une petite danseuse sur le long de ce couloir droit. Elle aime dribbler, elle aime provoquer. Caroline Ware dans l'axe. Ce bon ballon pour Caroline Ware dans la surface. Le tacle, excellent de Kiera Amraoui. Allez, on peine à se dégager, mettre le pied sur ce ballon.
Elles sont bien rentrées aussi, les madrilènes, dans cette rencontre. Kenny Robles, la Mexicaine, ce centre. Et la tête de Naomi Feller, contrée par Amanda Hilstedt. On va pouvoir éviter le corner de la place de la part d'Ashley Lawrence. Beaucoup de jeu, beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. On ne s'était pas ennuyé au match aller, mais on avait évidemment eu un sentiment partagé. On était un petit peu resté sur notre faim. Cette entame de match est palpitante. Ça fait déjà 10 minutes à peine. Et on a vécu un grand nombre de situations dangereuses. Ce ballon est quasiment toujours dans l'air de jeu. On se régale depuis le coup d'envoi. De Almeida. Relais avec Oriane Jean-François. Allez, on va jouer plus long à destination de Sandy Baltimore avec Ashley Lawrence. Grâce Guilloro. Amanda Hilstedt, Elisa de Almeida, Sakina Kershawi. On revient dans l'axe avec Ramona Barman. Barman avec Kira Amraoui. Le ballon dans la profondeur pour Sakina Kershawi. Et l'arbitre qui siffle cette fois-ci cette obstruction de Del Castillo. Elle joue les étonnés, l'Espagnol, mais il semble bien qu'il y ait une poussette et un carton jaune pour l'ailière espagnole. Et très franchement, on aimerait avoir confirmation sur le ralenti, mais il semble bien qu'elle soit venue faire une obstruction, qu'elle ait volontairement accroché la latérale gauche parisienne qui filait peut-être au but. C'est peut-être un peu plus tôt que le ralenti proposé. Ça fait néanmoins un excellent coup de pied arrêté au profit du PSG. Ramona Barman, Sakina Kershawi, le pied droit de la Suissesse, le pied gauche de la Française. Un ballon travaillé dans la surface ou une tentative directe. La réponse. Le coup de sifflet de l'arbitre finlandaise. Et c'est le pied droit directement dans les bras de Missa, un peu trop profond pour Kera Amraoui qui avait giclé au point de pénalty. Kershawi. Oriane Jean-François, la mimine a échappé au coup de sifflet d'arbitre. Cette main de la Suédoise Olofsson et son numéro 24. Bien joué de la passe de Grace Guilloro devant Del Castillo. Amraoui avec De Almeida. De Almeida, Hilstedt, la charnière centrale qui s'installe depuis la grave blessure, on le rappelle, de la Polonaise Paulina Dudek. Amraoui, la profondeur, encore une fois, pour Sakina Kershawi, devant Robles, la Mexicaine, qui va obtenir un corner. Ballon contré par Kenty Robles. Était-ce la bonne décision? Même au ralenti, ça n'est pas évident. Les deux joueuses semblent mettre le pied sur le ballon à peu près au même moment. Le corner
Ce sera pour Ramona Barman à droite, pour Baltimore à gauche. Baltimore au premier poteau, détourné, le but. Non. Oh là là, on a vraiment vu au fond des filets ce ballon détourné au premier poteau. C'est Elisabeth de Almeida, puis Grace Guillouro. Allez, encore une fois, Barman, la tête et le but. Cette fois-ci d'Elisabeth de Almeida. Le but de la Parisienne. C'est son premier but avec le Paris Saint-Germain sur corner. C'était détourné au premier poteau. Et ça fait 1-0 pour le PSG au quart d'heure de jeu. Oh, le premier corner, il avait déjà été une alerte. Le deuxième a fait mouche. Parfaitement tiré par Ramona Barman au premier poteau. La déviation façon Edinson Cavani à l'époque du Paris Saint-Germain, quand l'Uruguayen venait couper au premier poteau. Cette fois-ci, c'est Elisa de Almeida du sommet du crâne qui vient lober Missa. Ce but qui vient récompenser cette entame de match réussie par le Paris Saint-Germain, réussie aussi par le Real Madrid. Tant les deux équipes attaquaient, tant les deux équipes tentaient des choses, avaient décidé d'ouvrir, décidé de prendre des risques. Et c'est le Paris Saint-Germain qui est donc récompensé au quart d'heure de jeu avec ce coup de tête vainqueur d'Elisa de Almeida. Et donc au moment où on se parle, le Paris Saint-Germain est virtuellement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Baltimore. Et le coup franc retenu du bras juste à la limite de la surface de réparation. On se plaint évidemment du côté du Real Madrid, on va voir. Le ralenti, elle était passée. L'internationale française. Et très honnêtement, si faute il y a, il semble qu'elle soit déjà. C'est vraiment limite. A-t-elle déjà le pied dans la surface de réparation sur ce tacle et cette intervention légèrement en retard de la Suédoise Olofsson. Madame Letovara a accordé un coup franc. On reverra peut-être où a lieu exactement cette faute, mais on est vraiment sur la ligne des 16 mètres, comme on peut le voir sur ce ballon qui va être frappé. Encore une fois, quid de Ramona Barman. Sakina Kershawi. Ce ballon qui file directement en 6 mètres. On réclamait là aussi un ballon légèrement détourné par le mur madrilène. Il n'en est rien. Est-ce que Sandy Toletti a touché ce ballon, la milieu internationale française du Real? Difficile à dire hein, sur cet axe de caméra. Mais franchement, aucun temps mort dans cette partie qui tient toutes ses promesses. Attention à la mauvaise relance d'Elisa et d'Almeida en plein axe. Ça peut aller vite, on le sait, avec Caroline Ware. Caroline Ware qui repasse par Olofsson pour Robles. Robles avec Del Castillo. Athénéa face à Kershawi. Athénéa la dribbleuse. Athénéa qui passe et qui frappe. Le 4 se dérobe. La tentative vicieuse de l'attaquante madrilène. Crochet et frappe dans la foulée du droit. Il semble bien que son intention était de venir décrocher la lucarne gauche de Sarah Boidi. Caroline Ware, attention l'écossaise, avec encore une fois Athénéa, la remonte Athénéa qui cherche dans la surface Esther, et on s'en sort pas très longtemps. Ballon encore une fois dans les pieds du Real, la française Naomi Feller face à Grace Guillouro. La frappe de Naomi Feller dans les bras de Sarah Boidi.
Karchaoui. Encore une fois, la profondeur. Elle est passée devant Kadi Diani, mais Missa avait bien lu la trajectoire de ce ballon, la portière du Real. Battu donc au quart d'heure de jeu sur ce coup de tête réussi au premier poteau d'Elisa De Almeida sur un corner bien frappé par Ramona Barman. Et attention, ce but, ce ballon trop profond. Là aussi, on a affaire à un véritable poison. Avec ce numéro 10, Esther Gonzalez. Des Madrilènes qui n'hésitent pas à venir presser très haut sur le porteur dès la relance de la ligne arrière. Ne pas laisser le temps aux Parisiennes d'installer leur jeu. On sait que Gérard Prêcheur est un grand fan de la possession. On sera curieux aussi de découvrir justement les pourcentages de cette possession après 20 minutes de jeu. Le Real Madrid n'est certainement pas très loin du Paris Saint-Germain. Elisa De Almeida qui dispute donc ce soir son 12e match de Ligue des Champions, tous avec le Paris Saint-Germain. Et c'est donc son premier but de sa carrière en Ligue des Champions. 45e match avec le PSG. Et ça y est, elle a ouvert son compteur but avec le club de la capitale, au Parc des Princes, face au Real Madrid. Un but synonyme pour le moment de qualification pour la Ligue des Champions. Elle risque de s'en souvenir, l'internationale française, de ce premier but sous les couleurs parisiennes. Son dernier but, il remonte à mai 2021. C'était en D1 Arkema avec Montpellier, son précédent club. Elle qui a aussi inscrit 3 buts en équipe de France en 16 sélections. Ilstedt, en deux temps, l'internationale suédoise. Une autre internationale suédoise, Olofsson. Olga Carmona en relais avec Sandy Toletti. Bien coupé par Amanda Ilstedt. L'expérience de la suédoise qui fête, elle, ce soir son 51e match en Ligue des Champions. Allez, pourquoi pas, Khadija Toudiani, elle n'est pas en position de hors-jeu. On connaît la puissance, on connaît la vitesse de l'internationale française. Elle se centre au deuxième poteau. Et c'est retourné, détourné en corner par Kenty Robles. La capitaine mexicaine du Real Madrid. On revoit l'intention de la française de retrouver Ramona Barman au second poteau. Meilleure buteuse du Paris Saint-Germain cette saison, mais aussi passeuse. Allez, c'est sur corner que le PSG avait ouvert le score, on le rappelle, au quart d'heure de jeu. De ce côté-là, c'était déjà Ramona Barman. Encore au premier poteau, cette fois-ci, quelque peu ripé le ballon de la Suissesse. Le Real se dégage. Il y a de la vitesse entre Ashley Lawrence et Naomi Feller. C'est la Canadienne qui était la première sur ce ballon. Allez, on est à la mi-temps de cette première période.
un but à zéro pour le Paris Saint-Germain, but inscrit par Elisa de Almeida au quart d'heure de jeu. Je vais le répéter, j'espère, assez souvent tout au long de cette rencontre, mais le but des Parisiennes permet pour le moment au PSG d'être qualifié pour les quarts de finale en compagnie de Chelsea, hein, qui s'est rappelé, qui s'est imposé, on le rappelle, quelques heures plus tôt sur la pelouse de Vlasnia en Albanie, 4 buts à 0. Chelsea qui compte 13 points au classement. Avec cette victoire, le Paris Saint-Germain en aurait 10 et donc jouerait une finale pour terminer en tête du groupe à Stamford Bridge la semaine prochaine. On le rappelle, les Parisiennes s'étaient inclinées 1 but à 0 lors de la première journée au Stade Jean Bouin, juste à côté du Parc des Princes. Et donc, pour terminer première du groupe, si les Parisiennes s'imposaient ce soir face au Real Madrid, il faudrait s'imposer donc sur la pelouse de Chelsea et si possible avec 2 buts d'écart. Mais attention, ce match est loin d'être terminé. Même si ce ballon est sans danger pour Sarah Boisdi. Baltimore. Lawrence. Baltimore à nouveau. Encore la profondeur. Encore Kadiyati. Kadiyatou Diagne qui s'emmène ce ballon d'une lunelle de pigeon. En relais. Avec Grace Gayoro. Gayoro avec Diagne de nouveau. La puissance de Diagne contrée par Rocio Galvez. Et le duel gagné par Olga Carmona. On a évidemment bien le temps. Attention à Barman. De se plonger dans les scénarios pour la première place. Tant ce rendez-vous face au Real Madrid est encore indécis. Mais si le PSG en restait là et qu'il s'imposait un but à zéro sur la pelouse de Chelsea, la différence de les confrontations particulières étant le premier critère, Paris et Chelsea seraient alors à égalité. Et c'est ensuite la différence de but qui est largement en faveur de Chelsea, qui est à plus 15 alors que le PSG actuellement est à plus 9. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Ne vendons pas la peau de l'ours, comme dirait l'autre. Et cherchons déjà à conserver ce score et qui sait à l'aggraver. Attention à ce ballon piqué trop profond d'Esther pour Ware. Regardez ce prochain rendez-vous, c'est le 22 décembre, ce sera à 21h, ce sera à Stamford Bridge, ce sera encore une fois à suivre en direct et en exclusivité sur la chaîne YouTube de DAZN, comme toutes les rencontres, on le rappelle, de cette Women's Champions League. Depuis le début de cette phase de groupe jusqu'à la finale, qui aura lieu cette année au mois de juin prochain au PSV Stadion d'Eindhoven. 61 matchs qui vous sont proposés gratuitement, en exclusivité, en intégralité. On le rappelle, vous avez la possibilité de regarder chaque match dans la langue des deux clubs concernés, plus la version anglaise, comme c'est le cas ce soir. Une superbe initiative de la part de DAZN qui offre vraiment une exposition internationale de qualité pour cette compétition qui nous montre un niveau de plus en plus relevé. Alors oui, l'Olympique Lyonnais est encore une fois tenant du titre.
Oui, on espère encore voir l'OL passer ce stade de la phase de groupe et atteindre les quarts de finale au printemps prochain. Mais que les clubs travaillent bien, que les clubs viennent taper à la porte pour décrocher ce titre de championne d'Europe. On pense au Barça, on pense au Bayern, on pense à Chelsea, on pense à Wolfsburg, au Paris Saint-Germain, au Real Madrid, à Arsenal, à la Roma désormais. Les grands noms du football européen viennent tous frapper désormais à la porte. Regardez cette statistique dont je vous parlais tout à l'heure. Il est finalement plus élevé depuis quelques minutes. Cette possession semble de plus en plus à la faveur des Parisiennes. On est quasiment sur du 2/3, 1/3. Ce n'était pas le cas dans le premier quart d'heure. Elles ont mis la main quand même sur ce ballon, les Parisiennes. Et les merengues semblent bien décidés à contrer, en tout cas effectuer un pressing haut sur la relance parisienne et venir la prendre de vitesse. Souvent dans l'axe, autant la vitesse de Karchaoui et de Lorenz est de qualité, autant s'il faut trouver un petit défaut malgré tout à cette charnière centrale du PSG, Hittstedt de Almeida. Mais c'est à peu près le même défaut du côté du Real Madrid. Même si Rocío Gálvez est désormais épaulé par Kathleen, l'internationale brésilienne, arrivée en provenance de l'Inter Milan. La voilà avec son numéro 14. Une joueuse qui a disputé toutes les rencontres depuis le début de saison du Real Madrid et qui fait beaucoup de bien en défense. Allez, la Française, Sandy Toletti, en relais avec Wehr. Le bon ballon gratté par Kera Amraoui, Grace Gueyoro. Elle aussi en difficulté face à Del Castillo. Elle réclame une faute, la Parisienne. Ce sera finalement une touche. Elle a laissé jouer l'arbitre finlandaise, Olofsson. Rocío Gálvez avec Kathleen. Kathleen dans l'axe. Attention à Esther qui cherchait Naomi Feller. C'est contré par Elisa de Almeida. La profondeur. C'était pour Oriane Jean-François, mais ça a été bien lu. Rocío Gálvez. Et donc l'autre rendez-vous pour le moment pour du beurre entre le Real Madrid et Vlasnia. Car si on en reste là, ces deux équipes seront éliminées avant de se rencontrer. Mais il reste encore une grosseur à jouer dans ce match qui franchement nous offre peu de temps mort. Sandy Baltimore en face à face. Sandy Baltimore qui bute sur Missa. C'est sur son contrôle qu'elle manque peut-être l'occasion de se mettre dans une position encore plus intéressante face à Missa. Sandy Baltimore, on reverra certainement le très bon service à la limite du hors-jeu de Kadi Diani. Elle a tenté sa chance du droit. Sandy Baltimore qui sait jouer des deux pieds, mais peut-être pas celui avec lequel elle est le plus à l'aise. Allez, encore un bon ballon, toujours de la profondeur, toujours Kadi Diani. Comment ça? Rien du tout. Il semblait bien pourtant que Kadi Diani ait été touché au niveau des mollets. Il semble bien qu'elle était devant la défenseur sur ce ballon. Là aussi, on a hâte de voir cette situation. Alors, on le rappelle, il n'y a pas la VAR pour le moment
en phase de groupe. Il faudra attendre les quarts de finale. Donc la situation n'évoluera pas. Ce sera juste pour notre curiosité. Et attention, Naomi Feller. La voici avec son numéro 1 qui retrouve dans l'axe la frappe. Et le poteau encore une fois qui sauve Sarah Boisdi sur ses tentatives, me semble-t-il, de Sandy Toletti. Il est loin d'être plié ce match, vous l'aurez compris. Barman avec Karchaoui. Karchaoui qui repique pour retrouver Barman. Amraoui, le réalisateur du match, doit encore se demander à quel moment et nous remontrer la situation litigieuse sur Kadidiatou Diagne à la limite du hors-jeu et la frappe du Real Madrid sur le poteau droit de Sarah Boisdi. Sarah Boisdi qui en a disputé évidemment des matchs sur cette pelouse du Parc des Princes avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2019, avec l'Olympique Lyonnais. C'est son premier avec le Paris Saint-Germain. Et pour le moment, c'est poteau. Lui ont été... plutôt fidèle, plutôt un soutien. On n'a toujours pas revu cette seconde frappe, mais sur la première tentative de Lovson, elle semblait battue. On va voir si ce ballon est légèrement dévié par la gardienne parisienne au départ. Ce ballon n'est quasiment jamais sorti. Le jeu n'est quasiment jamais arrêté. Et la lutte entre Lovson et Baltimore, entre Jean-Auriane Jean-François et Del Castillo. Un peu d'espace cette fois-ci pour Sakina Karchaoui. Et le bon contre de Lovson et ce ballon de Del Castillo avec Feller. Feller dans l'axe. Feller qui retrouve Toletti. Toletti avec Del Castillo. Le bon retour de Grace Gayoro. Et on est reparti vers Sandy Baltimore. Le retour réussi cette fois-ci de Carmona. Toletti. Carmona. Qui repasse par Rocío Gálvez. Kathleen. Robles. Kathleen avec Esther. Esther qui aime bien décrocher. C'est une 9 avec des allures de 9,5 aussi. Pas étonnant qu'elle ait ce numéro 10. Toletti avec Ware un peu dans le dos de l'Écossaise, ça profite à Sakina Karchaoui. Allez, casser le rythme un petit peu, les Parisiennes. Pas vraiment, avec Lorenz sur le coup d'art droit. Robles face à Diani. Carmona face à Lorenz. Bien joué de la part de la Canadienne. Baltimore. Encore un duel. Encore gagné par Lorenz. Je serais honnêtement très curieux de connaître le temps de jeu
effectif depuis le coup d'envoi de cette rencontre. 39 minutes de jeu. Je pense que ce ballon n'est quasiment jamais sorti plus d'une poignée de secondes. On voit parfois des rencontres où les joueurs et même parfois les joueuses restent au sol, cassent le rythme. Ça n'est vraiment pas le cas de cette rencontre ce soir, à l'image de ce ballon. Encore une fois pour Khadija Toudiani. Oh, qu'il était bien joué ce 1-2 avec Sandy Baltimore. Elles se sont trouvées les yeux fermés, les deux attaquantes parisiennes. Elles se connaissent évidemment par cœur. Elles savaient, Baltimore, que Diani allait suivre. Et cette talonnade pour le pied gauche, trop enlevée de Khadija Toudiani. Elle n'en a pas manqué beaucoup cette saison, l'attaquante parisienne. Ça n'est pas non plus son pied fort, comme Baltimore tout à l'heure dans son duel perdu face à Missa. Mais c'est encore une situation chaude à mettre au profit du PSG. Je pense qu'on a déjà vu deux ou trois fois plus d'occasions nettes en une mi-temps que sur l'intégralité du match aller. Attention à Ware face à De Almeida, qui passe aussi devant Karchaoui en relais avec Feller. Feller qui cherchait Del Castillo, mais c'est contré par Karchaoui. Franchement, on se régale ce soir. Revoit cette frappe. C'était bien Sandy Toletti. Elle est peut-être légèrement touchée du bout des doigts par Sarah Boidi. Mais on n'est vraiment pas passé loin de l'égalisation du Real. On aurait bien aimé aussi revoir la situation litigieuse sur Kadidiani. Même si on le sait, ça ne changera rien. Oriane Jean-François. Obligé de redescendre très bas avec Amanda Hilstedt. Chaque ballon est accroché, chaque duel est indécis. On a rarement le temps de lever la tête et de relancer tranquillement. Ce pressing très haut, hein, opéré par les joueuses de Toril, vont-elles tenir la cadence? En seconde période également, les madrilènes. On espère que non. Mais pour le moment, ça fonctionne plutôt très bien, même si on aura compris que Paris aime la profondeur, Paris aime jouer un peu dans le dos, avec évidemment la vitesse de Diani et Baltimore. Attention à ce ballon rendu à Del Castillo. Encore une fois contré. Avec Esther pour Robles. Kenty Robles, la Mexicaine. Qui repasse par Toletti dans l'axe. Souza, Kathleen, la Brésilienne, Rocio Calves. L'autre charnière centrale donc de cette formation merengue. Et encore, vous voyez, quand on peut, on profite des appels en profondeur. Cette fois-ci, c'est Grace Gueyoro. On laisse remonter le bloc avec Kiera Amraoui. On est déjà à côté droit avec Sandy Baltimore. Sandy Baltimore face à Olga Carmona. Sandy Baltimore face à Carmona qui revient sur son pied gauche. Le ballon, premier poteau dans les bras. Demi ça. Missa, la gardienne titulaire du Real Madrid,
elle qui a disputé toutes les rencontres de Ligue des Champions depuis le début de cette saison. Attention, dans la surface, elle est trop seule, Ware. Totalement lâchée au marquage, heureusement pour Sarah Boady que sa frappe est bien trop centrée. Regardez comme elle est seule au point de pénalty. Il va falloir se parler davantage. Car là, très honnêtement, autant les Parisiennes avaient été assez propres. Mais là, cette absence de marquage est inquiétante. Surtout face à Caroline Ware qui est le poison numéro 1 avec Esther sur le plan offensif de ce Real Madrid. Rendez-vous compte, l'Écossaise arrivée à l'intersaison et qui a déjà inscrit 10 buts pour le Real Madrid, 5 en Liga et 5 en Champions League. Ce ballon, pourquoi pas, bien lu parmi ça encore une fois. Ramona Barman, qu'on a peut-être un peu moins vu dans cette première période comparativement à Sandy Baltimore. Et Kadi Diagne, on en restera là à la pause. C'est donc le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 au Parc des Princes. Un but inscrit au quart d'heure de jeu par Elisa de Almeida dans une première période absolument passionnante. On a vraiment vu deux équipes décidées d'aller vers l'avant, décidées à venir faire mal à son adversaire. Ça nous a offert un nombre important de situations chaudes, d'occasions franches, deux poteaux à un en faveur du Real Madrid. C'est Sandy Baltimore qui avait trouvé la transversale dès la cinquième minute de jeu. Olofsson lui avait répondu d'une frappe surpuissante sur le poteau. Et puis enfin, Sandy Toletti, la Française du Real Madrid, qui elle aussi est venue trouver le poteau droit de Sarah Boady. Les statistiques de cette rencontre, plus de 60% de possession en faveur du Paris Saint-Germain, 5 tirs dont 2 cadrés, donc 1 but, 8 tirs pour le Real Madrid et 2 cadrés, la dernière frappe de Caroline Ware aurait bien pu faire mouche si elle avait cherché un peu plus un côté tirant plein cœur sur Sarah Boady. Et puis vous le voyez, pour le reste c'est tout de même assez équilibré. Un seul carton jaune dans cette première période, il a été pour l'Espagnol Athénéa dès la 11e minute de jeu. Très franchement, on s'est régalé dans cette première période entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. L'information déterminante, c'est qu'au moment où on se parle, le Paris Saint-Germain est en quart de finale de la Ligue des Champions. Un stade de la compétition que disputera Chelsea de manière certaine, l'autre adversaire du groupe qui s'est imposé un peu plus tôt. 4-0 sur la pelouse de Vlasnia. Les championnes d'Angleterre sont sûres d'être en Ligue des Champions au printemps prochain, mais ne sont pas encore sûres de terminer à la première place. Car si le Paris Saint-Germain s'impose ce soir, on aura une finale le 22 décembre prochain du côté de Stamford Bridge entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Ce serait avantage Chelsea qui compte 13 points pour le moment, 10 points si le PSG s'impose ce soir. Les Blues qui avaient gagné 1-0, on le rappelle, sur la pelouse de Jean Bouin lors de la première journée. Et bien si le Paris Saint-Germain s'imposait avec au moins un but d'écart sur la pelouse de Chelsea, le PSG pourrait encore rêver de terminer à la première place de ce groupe A. Mais on n'en est pas là, bien évidemment. On va attendre avec beaucoup d'intérêt cette seconde période entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.
Mais pour le moment, c'est donc le Paris Saint-Germain qui mène 1-0, un but inscrit par Elisa de Almeida à la 15e minute de jeu. On marque une courte pause et on se retrouve pour la seconde période. We got a telex that there is a positive doping control and it concerns player number 10. La creencia esta que dio positivo por cocaína es errada. Que alguien lo pergeñó no me cabe la menor duda. Ahora, ¿quiénes fueron? Créeme que me cortaron las piernas. This is my family. Every World Cup, we all get together. Mate, let's go. Vamos. Karim eats goals for breakfast. Leo, he's one of a kind. With Sonny, everything's brighter. Nobody's faster than Hakimi. Serge's style is unbeatable. You can't forget about your West Storms. When football is everything, impossible is nothing. The very best action from around the globe. From free running to Formula One and everything in between. This is the place to see exceptional athletes doing extraordinary things. Whether it's near impossible challenges or life-changing journeys of discovery, these are the innovators pushing the limits of possibility. Incredible moments, unforgettable stories. Welcome to the new home of action sports. Fight fans, welcome to the DAZN Boxing Show. Bringing you all the exclusive news, interviews, and outspoken views from the world of boxing. I'm back in beast mode. The fight starts now! Catch the latest boxing news every single weekday. I'm gonna be honest, man. That kid's pissing me off. This is what boxing's all about. From the best fighters to the biggest promoters. Give me some fucking props. The boxing world is going to be buzzing. No one takes you closer to the fight game than the DAZN Boxing Show. The voice you can hear is the voice of Gerard Pressure. He sends your main coach as he's watching Fouquet come forward and Fouquet score magnificently into the bottom corner. Paris Saint-Germain have their fourth. Wanyama Fouquet has her first of the night. And her first Champions League goal, the teenager. Escarino. Lovely ball inside. And the top corner is found delightfully. What a gorgeous goal. Ramona Backman at her very best. And Paris Saint-Germain have three just inside the hour mark here. This could be another opportunity. Oh, it is goal number four. Just to seal it before full time. And it's Cascarino with a shot square on the Zurich goal.
tore the goalkeeper off a line. Oh, it's a brilliant goal. Roma are back in it, and in spectacular fashion. Saw the opportunity so early there, the Brazilian international. Maybe a little complacent there, Wolfs Berg, but she had that glance up and saw that the goalkeeper was off her line, spied the opportunity, and then took it emphatically. This is brilliant from Andressa Alves. Made that look much easier than it actually was. Fight fans, welcome to the DAZN Boxing Show. Bringing you all the exclusive news, interviews, and outspoken views from the world of boxing. I'm back in beast mode. The fight starts now! Catch the latest boxing news every single weekday. I'm gonna be honest, man. That kid's pissing me off. This is what boxing's all about. From the best fighters to the biggest promoters. Give me some fucking props. The boxing world is going to be buzzing. No one takes you closer to the fight game than the DAZN Boxing Show. This is my family. Every World Cup, we all get together. Mate, let's go. Vamos. Karim eats goals for breakfast. Leo, he's one of a kind. With Sonny, everything's brighter. Nobody's faster than Hakim. Serge's style is unbeatable. You can't forget about your West Storms. When football is everything, impossible is nothing. The very best action from around the globe. From free running to Formula One and everything in between. This is the place to see exceptional athletes doing extraordinary things. Whether it's near impossible challenges or life-changing journeys of discovery, these are the innovators pushing the limits of possibility. Incredible moments, unforgettable stories. Welcome to the new home of action sports. We got a telex that there is a positive doping control and it concerns player number 10. La creencia esta que dio positivo por cocaína es errada. Que alguien lo pergeñó no me cabe la menor duda. Ahora, ¿quiénes fueron? Créeme que me cortaron las piernas. Et de retour au Parc des Princes pour cette rencontre de la cinquième journée de la phase de groupe de l'UEFA Women Champions League. Et c'est le Paris Saint-Germain qui mène 1-0. Un but inscrit au quart d'heure de jeu par Elisa de Almeida et qui permettrait donc, si on en restait là, à qualifier le Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la compétition au printemps prochain. On a vu une première période absolument passionnante avec un nombre d'occasions franches incroyables. Dès la cinquième minute, c'était Sandy Baltimore qui trouvait le sommet de la transversale de Missa. Et puis que dire de la réaction madrilène et de cette frappe d'Olofsson sur le poteau droit de Sarah Boidi. Et au quart d'heure de jeu, le voilà, le but inscrit par Elisa de Almeida, le premier but de la défenseur centrale sous le maillot du Paris Saint-Germain. Cette tête coupée au premier poteau qui vient donc lober la gardienne espagnole. On aurait pu voir beaucoup de buts dans cette première période tant les occasions ont été nombreuses. On signalera également le poteau trouvé par la Française Sandy Toletti à la 35e minute de jeu. Une énorme occasion également pour Sandy Baltimore, puis pour l'Écossaise Caroline Ware. Franchement, on s'est régalé. Les Madrilènes n'ont plus le choix. Si elles veulent poursuivre l'aventure et rester en vie avant la dernière journée
la semaine prochaine, le 22 décembre exactement, il faudra au minimum égaliser contre le PSG dans cette seconde période. Mais qu'on a hâte de suivre cette seconde période, tant cette première période nous a régalé. Apparemment, pas de changement à signaler du côté du Real Madrid. Avec la présence, on le rappelle, de deux Françaises. Sandy Toletti au milieu de terrain et Naomi Feller sur le couloir gauche en attaque du Real Madrid, alors que les joueuses du Paris Saint-Germain font leur retour sur la pelouse du Parc des Princes. Là aussi, on va regarder si Gérard Prêcheur repart avec les mêmes 11 actrices pour cette seconde période. Apparemment, oui. On le rappelle, c'est ce 11 qui s'était imposé dimanche dernier au Groupama Stadium dans le choc de la D1 Arkema. C'était déjà une victoire 1-0. Un but signé Kadidiatou Diani à la 87e minute de jeu. Très franchement, on s'ignorait côté parisien pour un même score à l'issue des 90 minutes. Mais ça n'est que la mi-temps de cette rencontre. Et très franchement, à la vue du scénario de la première mi-temps, ce match est loin d'être terminé. On va donc repartir avec les mêmes 22 actrices. Et le coup de sifflet de Madame Lina Letovara, l'arbitre finlandaise de cette rencontre. Dans un Parc des Princes. Qui compte plus de 10 000 spectateurs ce soir. Toujours les fidèles ultras du Paris Saint-Germain pour donner de la voix. Elles en auront besoin ce soir, les Parisiennes. Oriane Jean-François, encore une fois, comme en première période, hein, le pressing très haut des Madrilènes et Grace Guayoro. Et c'est Sandy Toletti qui est averti après Athénéa del Castillo en première période. C'est la Française du Real qui écope donc d'un deuxième carton jaune dans cette partie. Ces deux joueuses sont habituellement côte à côte en équipe de France, comme ce fut le cas lors du dernier Euro en Angleterre. Elle était en retard, l'ancienne joueuse de Montpellier. C'est assez logiquement qu'elle est avertie pour ce tacle à retardement sur Grace Guayoro. On espère que la capitaine du Paris Saint-Germain va pouvoir reprendre le jeu. Ça semble aller. Paris Saint-Germain, formé au club. Oriane Jean-François, Ashley Lawrence. Et encore une fois, elles sont toujours une, deux, voire trois sur la porteuse de balle. Robles. Kathleen, la brésilienne, Rocio Galvez. Rocio Galvez, Carmona,
qui a mené en profondeur pour Naomi Feller. Naomi Feller en retrait, attention la situation, attention à Ware, et la frappe, elle est manquée sur la barre encore une fois d'Athénéa del Castillo. Elle a raté son tir, mais celui-ci a bien failli tromper Sarah Boidi, qui pour la troisième fois de la partie est secondée par ses montants. Le raté d'Amanda Hilstedt, le ballon bien décalé pour Ware, et c'est ensuite Esther pour Ware, et ce ballon du gauche ripé. On avait vécu une première période absolument passionnante, ouverte. C'est reparti à 100 à l'heure dans cette seconde période. Baltimore avec Bachmann. Le centre de Bachmann. Attention, Oriane Jean-François, et c'est Robles qui détourne en corner. On se rend coup pour coup depuis le début de cette rencontre. En première mi-temps, frappe de Baltimore sur la barre dès la cinquième. Olofsson qui répond du tac au tac en trouvant le poteau à la sixième. Et bien là, après la tentative d'Athénéa sur la barre transversale, c'est Oriane Jean-François qui n'était pas très loin de se mettre en situation de tir. Le corner de Sandy Baltimore. Baltimore au point de pénalty. Ce ballon qui traverse la surface de réparation, dégagé en deux temps. Ça va revenir pour Baltimore. Le pied gauche de la Française contré par Olofsson. Athénéa del Castillo. Et le bon retour cette fois-ci d'Ashley Lawrence. Elle hésite à la remettre derrière. Sakina Kershawi. Encore un duel. Jean-François puis Baltimore. C'est au tour de Amraoui qui cherche dans la profondeur pour Ramona Barman. Et la sortie de Missa. Elle est vigilante, hein, la portière espagnole. Elle n'hésite pas à sortir loin de ses buts. En position de libéraux, de dernier défenseur. Parce que franchement, il était intéressant ce ballon pour Barman. Mais elle avait tout lu, Missa. Diani. Diani qui s'en sort. Diani qui s'en sort encore. Allez, lâche-le le ballon pour Grace Gueyoro. Le ballon est en vie. Le centre au deuxième poteau. Sandy Baltimore au-dessus. À quel moment ce match va baisser en intensité? Franchement, merci aux 22 joueuses, puisque franchement, depuis le début, ça ne s'arrête jamais, ça va d'un camp à l'autre. Du pressing, de la densité, des duels, des occasions. On a le droit à toutes les situations, franchement. Toletti. Le ballon coupé par Kershawi. Et on repart avec Baltimore. On est couloir gauche. Ça dédouble avec Kershawi. Baltimore qui revient dans l'axe. En appui avec Diani qui recherche Baltimore. Et la faute. Excès d'engagement effectivement de Sandy Baltimore sur Kenty Robles. Elle y est effectivement allée le pied haut et l'épaule en avant. Sandy Baltimore, mais il faut dire qu'il y a tellement d'engagement depuis le début de cette rencontre qu'on a du mal à reprocher à Sandy Baltimore son envie de manger ce ballon. Jean-François avec Barman. À nouveau Jean-François. K.
Kershawi. Kershawi qui repart de plus belle avec Baltimore. Ballon manqué pour Diani. Et Robles dans la profondeur avec encore une fois Esther qui décroche. Esther qui le redemande, ce ballon au cœur du jeu. Avec Feller en relais pour Ware. C'est bien joué de la part de la formation madrilène. Ces deux joueuses qui se sont rendues coup pour coup en première mi-temps. Ce sera encore le cas en seconde avec Ashley Lawrence. Baltimore avec Carmona qui s'en sort. Amraoui. Kathleen, la brésilienne, dans la profondeur. Attention à ce ballon coupé par Ilstedt. Lorenz avec Sandy Baltimore. Pour Diani. Diani qui a vu peut-être le départ de Kershawi sur le couloir gauche. Elle est servie. L'internationale française dans la surface. Ce ballon en retrait, trop en retrait. Malheureusement pour Ramona Barman. Et Robles qui part cette fois-ci trouver Athénée Del Castillo. Athénée Del Castillo qui a du champ devant elle. Ce ballon au deuxième poteau repoussé dans un premier temps par Amraoui, puis de la tête par Lorenz. Et tranquillement de la tête Sakina Kershawi pour Sarah Bouadi. Oriane Jean-François. Quel match de Ligue des Champions pour les sceptiques, pour les critiques. Très franchement, j'espère que ce match les fera taire un moment, parce que très franchement, c'est une très belle copie que nous rendent actuellement les deux formations. Il fait moins de 2 degrés hein, au Parc des Princes. Eh bien, on ne fait même pas attention aux conditions de jeu pas forcément évidente. Il faut dire que cette pelouse du Parc des Princes, elle est nickel, ça on le sait. Une pelouse de surcroît orpheline des garçons du Paris Saint-Germain. Del Castillo dans l'axe. Le bon retour de Sakina Kershawi. Baltimore. Jean-François. Encore une fois, la profondeur, un énième appel de la part de Kadidiani et un énième ballon lu par Missa. Et la tentative, pourquoi pas ? La barre encore ! Sur cette tentative géniale de Sandy Baltimore, elle avait vu la portière espagnole avancer. Et c'est encore la transversale. Les poteaux n'ont cessé de trembler depuis le début de cette partie. C'est déjà la cinquième fois qu'ils sont trouvés depuis le début du match. Deux fois par Sandy Baltimore. Côté parisien, une fois par Olofsson. Une fois par Del Castillo. Et une fois par Toletti côté madrilène. Ce match est fou, ce match est génial. Et décidément bien indécis et tellement important pourtant pour l'avenir et la suite pour les deux clubs dans cette compétition. Ashley Lorenz, c'est le pénalty. Oui, le pénalty accordé par l'arbitre finlandaise. À vitesse réelle, ça semble assez clair.
cette faute de Carmona, elle semble en retard sur Ashley Lawrence. Le ralenti va nous confirmer peut-être la bonne ou mauvaise décision de l'arbitre, mais ça ne changera rien. C'est un pénalty pour le Paris Saint-Germain. Regardez, elle passe devant. Et oui, elle est déséquilibrée. Ashley Lawrence, dans sa course, le pied droit vient bel et bien heurter la jambe gauche d'Ashley Lawrence. Et c'est Kadir Diagne qui semble bien parti pour s'en charger. Elle qui a marqué lors de la précédente journée sur pénalty sur la pelouse de Vlasnia. Elle n'a jamais marqué Kadir Diagne sur la pelouse du Parc des Princes. Elle est la meilleure buteuse du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Elle a déjà inscrit 10 buts avec le Paris Saint-Germain. Kadir Diatou Diagne face à Missa. Elle a déjà inscrit 13 buts en 17 rencontres, toutes compétitions confondues. 9 en D1 Arkema, le dernier à Lyon, un but très important. 4 en Ligue des Champions, peut-être le 5e à l'heure de jeu, peut-être son premier sur la pelouse du Parc des Princes. Et le but de Kadir Diagne qui prend parfaitement à contre-pied Missa. Le break est fait pour le Paris Saint-Germain qui mène désormais 2-0 face au Real Madrid à l'heure de jeu. Qu'il est important ce but du break dans un match complètement fou, dans un match où les deux équipes se rendent coup pour coup. Ça fait 2-0 désormais pour le Paris Saint-Germain. Sandy Baltimore a frappé sur la transversale il y a quelques minutes après qu'Athénéa ne l'ait fait. À l'entame de cette seconde période, eh bien le break est fait. Kadir Diatou Diagne, son 14e but en 18 matchs cette saison. Alors qu'on opère le premier changement du côté du Paris Saint-Germain avec l'entrée de Jackie Gronen, l'international néerlandaise qui remplace la Suissesse Ramona Barman. Ça va être un changement poste pour poste, mais légèrement plus défensif. Elle a déjà occupé ce poste à plusieurs reprises sous le maillot du Paris Saint-Germain cette saison, l'international néerlandaise. C'est une joueuse qui ne va pas se ménager pour sûr dans cette période. C'est une joueuse qui a pour habitude de tout donner, d'être extrêmement précieuse dans les duels, à la récupération. On comptera encore une fois sur Jackie Gronen pour la demi-heure qu'il reste dans ce match complètement dingue. Missa, comme toujours, qui sort aux avant-postes. Et le carton jaune, un peu stupide, à l'encontre de Kadir Diatou Diagne, le 3e distribué dans cette partie. Par Madame Leto Vara, après les Espagnols Athénéa et Toletti. C'est donc au tour de Kadir Diatou d'être averti.
Quelle partie entre Paris Saint-Germain et le Real. Des Parisiennes qui mènent désormais 2-0 face au Real Madrid. Début inscrit par Elisa de Almeida au quart d'heure de jeu, puis par Khadidia Toudiani sur pénalty à la 60e. Premier but sous le maillot du Paris Saint-Germain pour Elisa de Almeida et premier but pour la sérielle buteuse du PSG, Khadidiani, sur la pelouse du Parc. Et peut-être, au terme de cette rencontre, une qualification pour les quarts de finale de cette Women Champions League pour le club de la capitale, qui, si on en reste là, s'offrira une finale pour la première place du groupe face à Chelsea. Le 22 décembre prochain, la semaine prochaine, du côté de Stamford Bridge. Allez, Diani, elle a vu l'appel justement de Jackie Grenen, l'un des premiers ballons pour l'internationale néerlandaise. Jackie Grenen qui revient avec Sandy Baltimore, Kiara Amraoui pour Oriane Jean-François, Amanda Hilstedt avec la première buteuse du soir, Elisa de Almeida. Sakina Kershawi. Grenen face à Carmona, coupable de la faute sur Ashley Lorenz qui a amené le pénalty pour le PSG. Ça va bouger aussi sur le banc du Real Madrid et la sortie de la Française Sandy Toletti. De Teresa. C'est même un triple changement côté madrilène, puisque Sornosa et Svava vont aussi faire leur entrée en lieu et place d'Olofsson. Et d'Esther. On va jouer évidemment le tout pour le tout. Côté madrilène, vous l'avez vu, Svava va donc prendre la place d'Olga Carmona qui, elle, va remonter d'un cran, coupable du pénalty sur Ashley Lorenz. Carmona est aussi une joueuse qui peut jouer plus haut le long de ce couloir droit. Et c'est donc Naomi Feller qui devrait jouer, elle, aux avant-postes, en position de numéro 9, alors que Teresa et Sornosa vont évoluer au cœur du jeu, juste devant Caroline Ware. La montée de Kathleen. Olga Carmona qui cherchait Naomi Feller, mais encore une bonne intervention d'Ashley Lorenz. Ashley Lorenz à nouveau reprise par Carmona. On lâche rien des deux côtés. Bien joué de la part de Jackie Grenen. On pensait l'avoir au poste d'ailier gauche. On la retrouve limite latérale droite. Là aussi, on va suivre, attention, la réorganisation côté PSG. Carmona, elle a hésité à centrer. Carmona, elle va finir par revenir au cœur du jeu. La bonne intervention d'Elisa de Almeida devant Naomi Feller. Quand est-ce que les joueuses vont souffler? Quelle intensité dans cette partie.
Et Lorenz qui se trouve encore une fois. Grenon met la bonne intervention de la défenseur centrale brésilienne. Passé par Bordeaux, puis par l'Inter Milan avant d'arriver à l'intersaison dans les rangs du Real Madrid. Une internationale brésilienne que les Bleus retrouveront lors de la prochaine Coupe du Monde en Australie, on le rappelle, et en Nouvelle-Zélande, puisque le Brésil figure dans le groupe des Bleus. C'est la fête au Parc des Princes ce soir. On le rappelle, lors de leur dernière visite, les Madrilènes s'étaient lourdement inclinés 4-0. C'était déjà en phase de groupe la saison passée. Et ce ballon qui terminera en corner. PSG qui s'était imposé avec un doublé notamment de Marie-Antoinette Katoto, un but de Sara Dabritz et un but de la malheureuse Rocío Gálvez justement contre son camp. Mais le Real Madrid n'avait pas vu le jour ce soir-là. C'est beaucoup moins net ce soir. Et le banc corner bien frappé par Grenon. Sakina Kershawi. Avec Grenon justement dans la surface de par réparation, le retour de Caroline Ware. Aucun ballon n'est facile, aucun ballon n'est laissé à l'adversaire. Grenon. Le centre de Grenon pour la tête de Rocío Gálvez. Apparemment contré par Kadidiani. Par 70e minute de jeu, les Parisiennes qui mènent 2-0. Un début inscrit par Elisade Almeida au quart d'heure de jeu et par Kadidiani sur pénalty à la 60e. Possession toujours à la faveur des Parisiennes, mais un peu moins importante qu'en première période. Mais surtout un ballon qui vit, qui ne cesse d'être dans l'air de jeu. Et Svava dépossédé du ballon par Baltimore. Kera Amraoui, attention au pressing de Teresa, la nouvelle entrante. Elle est fraîche, elle a du jus. La numéro 3 espagnole qui vient encore une fois à la lutte pour gratter ce ballon au milieu. Bien joué encore par Grenon qui trouve Gueyoro. Gueyoro qui hésite entre Baltimore à droite et Diani à gauche. C'est Baltimore qui est servi. Baltimore et son pied gauche. Va-t-elle revenir sur son pied gauche pour tenter la frappe dans les bras de Missar. Athénéa avec Sornosa, l'autre entrante. Kershawi qui perce encore, toujours avec Diani. Diani qui revient sur son pied droit. Et la frappe de Diani. Là aussi, trop axial. On va se régaler hein, aussi avec les statistiques en fin de match quand on va voir le nombre de tentatives et de frappes cadrées. Le bon tacle de Kera Amraoui. Kathleen.
Feller. Feller face à De Almeida. Feller qui s'en sort, qui trouve Castillo. Athénéa del Castillo. Amraoui avec Gueyoro. Baltimore encore. Gueyoro à nouveau. Gueyoro face à Rocio Gálvez. Gueyoro qui passe, qui retrouve Baltimore, qui va fixer Svava. En retrait pour Oriane Jean-François. Allez, on va repasser par derrière. Et Amanda Hitchtet. Un peu de maîtrise. Ne fera pas de mal aux Parisiennes. Le temps joue pour elles. On le rappelle. Les Madrilènes doivent impérativement, au minimum, revenir à égalité pour rester en vie dans cette course à la Ligue des Champions et au quart de finale. Elle est passée, Kadidiani devant Svava. Elle rentre dans la surface, Kadidiani centre en retrait. Et on s'en sort cette fois-ci, côté madrilène. Kara Amraoui devant Ware, qu'on voit moins, et c'est plutôt une bonne nouvelle dans cette seconde période. Hitchtet. Grenade avec Karchaoui. Bien joué de la part de l'internationale française avec Jackie Grenade dans la surface. Le ballon piqué qui ne passe pas entre les jambes de Missa. Y avait-il une position de hors-jeu au départ de ce ballon ? Il l'évoquait, hein, avant le début de cette rencontre, Gérard Prêcheur. Ça n'est plus exactement le même Paris Saint-Germain que celui qu'on avait vu au match aller en Espagne. Un PSG qui sortait d'une défaite. Un but à zéro à domicile face à Chelsea, un PSG qui était encore en construction, un PSG qui était encore en train de chercher ses automatismes, chercher son ossature. Il semble bien l'avoir trouvé, Gérard Prêcheur, désormais. Imaginez si le PSG arrive à enchaîner dans la même semaine une victoire à Lyon. Puis face au Real Madrid à domicile. La semaine parfaite pour le Paris Saint-Germain. La frappe de Grenade, contrée. C'est pas fini avec Oriane Jean-François. Le centre de Karchaoui. Svava de la tête, puis Carmona. Ça semble plus difficile physiquement pour les Madrilènes. Et le bon retour de la capitaine parisienne, grâce Gueyoro. Mais attention, côté Paris Saint-Germain, on a déjà mené au score avec deux buts d'avance. C'était contre Le Havre. Et les Parisiennes s'étaient fait reprendre à deux buts partout. Elles avaient mené à domicile face à Montpellier 2-1. Et elles s'étaient fait reprendre aussi en toute fin de match. Prudence, même si encore une fois ce PSG semble désormais bien plus solide, bien plus sûr de son jeu, bien plus sûr de ses forces depuis quelques rencontres. On savait que ce mois de décembre allait être crucial, allait être décisif, allait être déterminant pour les joueuses de Gérard Prêcheur. Il semble lui sourire, il semble les récompenser, les Parisiennes, avec Baltimore. Elle a de l'espace, Baltimore. Elle va trouver Kadidia Toudjani. Et le poteau. En tout cas, le ballon repoussé par Missa. On s'attendait peut-être à l'avoir croisé sa frappe.
Elle a choisi finalement le premier poteau, le côté fermé et le bon réflexe, la main ferme de la gardienne espagnole. 78e minute. Sandy Baltimore, ce corner repoussé par Svava. Allez, on sent hein, malgré tout quand même les Parisiennes prendre l'ascendant. Oui, psychologiquement, quand on mène 2-0 dans un match si important en termes d'enjeu, effectivement, évidemment que ça joue. Mais physiquement, on les sent mieux aussi, les Parisiennes. Elles gagnent de plus en plus leurs duels. Elles sont de plus en plus souvent dans la moitié de terrain madrilène. Et on voit de moins en moins Sarah Boidi. On voit de moins en moins Naomi Feller ou encore Caroline Ware. Et c'est Oroz qui va faire son entrée justement à la place d'Olga Carmona. Maïté Oroz, une joueuse intéressante aussi. Dans les rangs du Real. Elle qui avait été championne d'Espagne avec l'Athletic Bilbao en 2016. Qui avait remporté aussi l'Euro U19 en 2017 avec une certaine Damaris, la milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, qui après avoir porté les couleurs de la sélection espagnole est désormais avec la sélection néerlandaise. Kadidiani qui cherchait en première intention de la tête Grace Gueyoro. Oroz qu'on compare d'ailleurs un petit peu à Grace Gueyoro dans son jeu. Une milieu de terrain très technique, capable de casser des lignes, de se projeter rapidement. À l'image de ce ballon pour Feller. Attention en retrait, la frappe et le but ! La réduction du score ! Cette frappe imparable, elle est restée sur ses appuis. Sarah Boidi sur la frappe de Sornosa. Oh là là, ce match n'est pas terminé. 81e minute de jeu et le Real Madrid qui revient à un but du Paris Saint-Germain. On la voit, Oroz sur ce bon ballon, ce bon décalage et le ballon en retrait parfaitement servi. Naomi Feller, contrôle du droit, frappe du gauche de Sornosa. Les entrantes madrilènes ont fait du bien. Elle n'a pas esquissé le moindre geste, Sarah Boidi. Ce match est fou. Ce match est indécis. Ce match est vraiment palpitant. Et il devrait l'être encore plus avec cette réduction du score du Real Madrid. Les ultras parisiens, c'est encore à vous de jouer. Donnez de la voix pour supporter votre équipe. Alors qu'on disait hein, les Parisiennes mieux dans le jeu. Alors qu'on disait les Parisiennes beaucoup plus menaçantes offensivement. Eh bien c'est le Real qui revient dans cette rencontre. Et attention à cette tentative. Oh là là, Del Castillo. Elle avait au bout du pied l'égalisation. Ce ballon repoussé péniblement par Hitzstedt.
Et cette tentative en se retournant du droit qui vient fuir le but de Sarah Bouadi encore. Immobile sur cette tentative. Elle semblait battue là aussi. Ça fait désormais 6 tirs cadrés à 4. Et une équipe qui semblait en souffrance, une équipe qui semblait non pas résignée, mais peut-être mal en point ou moins à même de venir inquiéter le PSG. Eh bien, les revoilà, les Madrilènes, et le pressing dont on parle depuis le début de la rencontre, il est toujours bien présent côté Madrilène. Parlez-vous, Elisa Amanda Hilstedt, pardon, et Kera Amraoui qui reste au sol. Bien joué de la part de Grace Gueyoro. Il n'est pas fini ce match. Dans ce duel avec Caroline Ware. Il faut rappeler qu'il fait moins 2 degrés ce soir sur Paris. Le moindre choc, le moindre contact et la douleur peut être encore plus vive. Et pour la énième fois, on lance en profondeur Khadija Toudiani à la lutte avec Kathleen, la brésilienne. Tous les duels auront compté ce soir. Allez, on va rentrer dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire, auquel il faudra évidemment ajouter le temps additionnel. Et Paris qui a concédé son premier but face au Real Madrid en 4 confrontations. Un but pour le moment sans conséquence. Mais qui évidemment relance totalement les Madrilènes dans cette fin de partie. Cronen devant Robles et Athénéa. La prise à deux a fonctionné. On s'en sort côté madrilène, mais bien joué, Elisa de Almeida. Lorenz. Zvava qui coupe. Rocio Galvez. Sur Caroline Ware. Attention à la technique de l'Écossaise. De la part de Sakina Kershawi. Elle avait bien anticipé le ballon dans la profondeur. Et attention, elle a déjà écopé du premier carton jaune de cette rencontre, Athénéa Del Castillo, dès la 11e. Alors, il y a du métier aussi, évidemment, du côté de Sakina Kershawi. On fait tourner un petit peu le chronomètre. Casse un petit peu le rythme complètement fou de cette rencontre. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris ou qui arrivent un petit peu en retard, c'est une place en quart de finale qui se joue dans cette fin de rencontre. Pour le moment, le PSG est en quart de finale avant la 6e et dernière journée de cette phase de groupe. Mais un résultat nul relancerait totalement les comptes dans ce groupe A et mettrait même le Real Madrid plutôt en position avantageuse avant la dernière journée, puisque les Madrilènes
seront opposés à Vlasnia, les Albanaises qui n'ont pas pris le moindre point, qui n'ont pas marqué le moindre but dans cette compétition, alors que le PSG doit se rendre du côté de Stamford Bridge pour affronter Chelsea. Une équipe anglaise d'ores et déjà qualifiée avec 13 points après 5 journées. Les Anglaises qui se sont imposées facilement 4-0 justement sur la pelouse de Vlasnia en fin d'après-midi. Et qui doivent regarder cette fin de match aussi avec attention. Et peut-être espérer un but du Real Madrid. Puisque si le PSG finissait par s'imposer, c'est une finale pour connaître le vainqueur du groupe qui nous serait proposé la semaine prochaine. Et on le rappelle, hein, la première place aura aussi son importance. Mais on va suivre cette action déjà avec Diagny pour Gueyoro. Le ballon repoussé. Attention. Robles en deux temps. La tête de Kershawi. La déviation. Elle a pourtant quatre Parisiennes autour d'elle. Mais elle s'en sort, Caroline Ware. Et ce ballon pour Del Castillo. Le duel remporté par Sakina Kershawi. On le rappelle, hein, les premiers de chaque groupe seront opposés à un deuxième tirage au sort qui aura lieu en début d'année 2023. Le Barça sera du rendez-vous, le Bayern sera au rendez-vous, Arsenal sera au rendez-vous, l'OL, on l'espère, sera au rendez-vous, Chelsea sera au rendez-vous, a priori, la Roma aussi, que des grands noms du football européen. Mais l'un des deux clubs de cette rencontre n'y sera pas. Alors qu'on va rentrer dans le temps additionnel. 6 minutes. 6 minutes à tenir pour le PSG. 6 minutes à y croire pour les Merengues. Teresa. Attention, il va rentrer. Et bien joué de la part de Jackie Grenen en relais avec Khadidia Toudianou. Elles sont à 2 contre 2. Ah, si Jackie Grenen avait vu Grace Gueyoro, mais le ballon est toujours en faveur des Parisiennes. Grace Gueyoro, la voici avec Baltimore. Baltimore qui revient dans l'axe. L'erreur de Baltimore. Attention, ne pas rendre inutilement ce ballon aux Madrilènes. Athénéa Kershawi, un duel toute la rencontre. Toute la rencontre, ces deux joueuses. Se sont défiées. Et le ballon toujours dans l'air de jeu. Attention au centre de Kenty Robles. La volée repoussée dans un premier temps. Et là, rien de sifflé. Sur cette situation qui pourtant semblait litigieuse. On va faire appel aux soigneurs pour venir s'enquérir de la situation d'Athénéa dans son duel avec Kershawi. On le rappelle, hein, il fait moins 2 degrés. Chaque contact vient meurtrir les chairs. Elle est en larmes, Athénéa Del Castillo. C'est sa cheville droite qui semble la faire souffrir.
Et on aimerait aussi revoir cette situation dans la surface de réparation. Elle n'a pas bronché Lina Letovara, l'arbitre finlandaise. Le banc du Real s'était levé comme un seul homme. Et c'est au tour de Khadidia Toudiani de rester au sol. Aïe, 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 je n'aime pas voir ça. Une joueuse qui d'elle-même reste au sol. Aïe, 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 Khadidia Toudiani. La meilleure buteuse du Paris Saint-Germain. La joueuse en forme, elle qui réalise un début de saison absolument parfait. Elle qui a déjà inscrit, on le rappelle, 14e but ce soir en 18 rencontres, 9 en D1 Arkema, 5 en Ligue des Champions, son premier de sa carrière au Parc des Princes. On a vu hier les images terribles de Viviane Miedema, l'attaquante internationale néerlandaise d'Arsenal. On espère vraiment que ce n'est pas une blessure trop grave pour Khadidiani. Elle a souvent connu des pépins au niveau des chevilles. La cheville gauche, normalement, celle qui semble la faire souffrir. Et c'est Lieke Martens, l'ancienne joueuse du Barça, qui remplace donc Khadidia Toudiani pour cette dernière minute de jeu. L'intervention musclée de Kathleen sur Lieke Martens. Première situation, premier ballon en jeu pour la néerlandaise et un tampon. Ah, on ne se sera vraiment pas épargné hein, dans cette rencontre. Ah oui, là, c'est clairement de l'épaule. Elle se tourne pour venir heurter le dos de la néerlandaise. KO, hein, à peine entrée en jeu et déjà au sol. Forcément, ce temps additionnel va dépasser les 6 minutes données initialement par la quatrième arbitre, Gwenaël Pelé, hein, la kiné du PSG aux côtés de Lieke Martens. Une deuxième joueuse qui sort après Khadidiani pour se faire soigner. Ça pourrait vraiment être le gros point noir hein, de cette soirée parisienne qui, sur le reste, est quasi parfaite pour le moment. Mais attention à ces derniers ballons et qu'on est heureux de le voir dans les bras de Sarah Boidi, ce ballon. Elle a de l'expérience, elle a du métier, elle en a gagné 8 des Ligues des Champions avec l'OL, Sarah Boidi. Et elle est revenue, hein, Lieke Martens, déjà au duel. Et empêcher les Madrilènes de venir porter le danger encore une fois, une dernière fois, dans la surface parisienne. Attention à Teresa qui repasse avec Kathleen, la brésilienne. Kathleen qui va tenter sa chance. Merci Kathleen d'avoir tenté cette frappe désespérée, loin du cadre. Et oui, elle a raison, Amanda Hittstedt. Elle demande. À Madame Letovara de donner ce coup de sifflet final, de libérer les Parisiennes, de leur donner
ce billet, ce ticket pour les quarts de finale de la compétition le printemps prochain. On arrive quasiment à 8 minutes de temps additionnel. On a vécu ces fins de match à la rallonge du côté du Qatar pour la Coupe du Monde chez les garçons. On y a droit aussi dans cette Women's Champions League. Décidément bien indécise. Ce match restera à n'en pas douter dans l'histoire européenne du PSG. Une vraie bataille, hein, entre deux équipes bien décidées à ouvrir, à tenter leur chance, à ne jamais renoncer. Sandy Baltimore. Allez, on gagne ces secondes qui s'égrènent précieusement. Et on sait très bien qu'en restant au point de corner opposé, même si ce point de corner, pour les plus anciens, n'est pas forcément rassurant. On se souvient du dernier ballon perdu ici par un certain David Ginola lors d'un France-Bulgarie en novembre 93. Mais c'est évidemment une référence pour les plus anciens que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Sa bataille encore et toujours. On va arriver à 10 minutes de temps supplémentaire, de temps additionnel. Robles, un dernier ballon. Attention, le duel de cette rencontre entre Athénéa. Cette balle qui reste encore en vie dans la surface, repoussée dans un premier temps par Kera Amraoui, puis Sakina Kershawi. Encore un ballon de l'espoir pour le Real Madrid. Cette petite main qui n'est pas sanctionnée. Elisa de Almeida. Et le voilà, le coup de sifflet final. Le Paris Saint-Germain est en quart de finale de la Women's Champions League à l'issue d'une partie absolument passionnante. Et cette victoire, 2-1 face au Real Madrid. Bravo mesdames, bravo aux 22 actrices, mais évidemment un grand coup de chapeau aux Parisiennes qui seront donc au rendez-vous des quarts de finale. Elles feront partie des 8 prétendantes encore à la victoire finale dans cette Ligue des Champions au printemps prochain. Vous pouvez être fiers de vous. Les joueuses du Paris Saint-Germain, les Madrilènes aussi, tant ce match a été ouvert, tant ce match a été disputé, tant les occasions ont été nombreuses. On a vu pas moins de 5 tirs sur les poteaux. La gardienne du Real Madrid a fait une partie aussi exemplaire. Une victoire finalement obtenue grâce à des buts inscrits par Elisa de Almeida au quart d'heure de jeu. C'est ensuite Khadidia Toudiani qui doublait la mise sur pénalty à l'heure de jeu avant que Sornosa ne relance le suspense en marquant à la 81e minute de jeu. Gérard Prescheur, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, lui qui a remporté 2 fois cette compétition avec l'Olympique Lyonnais. Il va poursuivre l'aventure dans cette compétition européenne. Regardez, même Oriane Jean-François reste au sol. Certainement courbaturé, à 2 doigts des crampes. À l'issue de cette rencontre au rythme fou, à l'intensité folle. Et le Real Madrid qui est donc éliminé de la Ligue des Champions pour sa 2e participation. Le Real qui avait réussi la saison passée à se hisser en quart de finale, terminant 2e derrière le Paris Saint-Germain justement. Et bien cette fois-ci ce sera Chelsea et le Paris Saint-Germain. Mais qui terminera en tête? Pour ça il faudra encore être avec nous en direct
sur la chaîne YouTube de DAZN. Le 22 décembre prochain, Stamford Bridge nous offrira une finale pour connaître le nom de l'équipe qui terminera en tête de ce groupe A. Sarah Boisdi sera encore là, elle aussi. C'est franchement une superbe soirée pour le Paris Saint-Germain. Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure dans les dernières minutes de Khadidia Toudiani. L'arme fatale du Paris Saint-Germain. On espère que les nouvelles seront rassurantes. Il semblerait que sa cheville gauche soit à nouveau touchée. Alors qu'on revoit les statistiques de cette rencontre. 13 tirs tentés de part et d'autre, 6 cadrés pour le PSG, 4 pour le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain également devant au nombre de corners, 6 contre 1. Et puis 3 cartons jaunes distribués aussi dans cette rencontre. 2 côté madrilène et 1 pour Khadidia Toudiani côté Paris Saint-Germain. On a vécu une soirée magnifique au Parc des Princes. Et sur la chaîne YouTube de DAZN. Et c'est donc le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-1 et qui décroche par la même occasion son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Elles peuvent évidemment partager leur bonheur avec les ultras du Paris Saint-Germain. On s'habitue désormais à ces cérémonies de joie, cette communion entre les Parisiennes et leurs supporters. Et on comptera encore sur les supporters du PSG au mois d'avril, au mois de mars prochain. Allez, victoire du Paris Saint-Germain contre le Real et rendez-vous contre Chelsea pour la finale de ce groupe A. Bonne soirée à toutes et à tous sur la chaîne YouTube de DAZN. T'as regardé quand tu l'as vu sortir. We got a telex that there is a positive doping control and it concerns player number 10. La creencia esta que dio positivo por cocaína es errada. Que alguien lo pergeñó no me cabe la menor duda. Ahora, ¿quiénes fueron? Créeme que me cortaron las piernas. This is my family. Every World Cup, we all get together. Mate, let's go. Vamos. Karim eats goals for breakfast. Leo, he's one of a kind. With Sonny, everything's brighter. Nobody's faster than Hakimi. Serge's style is unbeatable. You can't forget about your boy Storms. When football is everything, impossible is nothing. The very best action from around the globe. From free running to Formula One and everything in between. This is the place to see exceptional athletes doing extraordinary things. Whether it's near impossible challenges or life-changing journeys of discovery, these are the innovators pushing the limits of possibility. Incredible moments, unforgettable stories. Welcome to the new home of action sports. Fight fans, welcome to the DAZN Boxing Show. Bringing you all the exclusive news, interviews, and outspoken views from the world of boxing. I'm back in beast mode. The fight starts now! Can
Catch the latest boxing news every single weekday. I'm gonna be honest, man. That kid's pissing me off. This is what boxing's all about. From the best fighters to the biggest promoters. Give me some fucking props. The boxing world is going to be buzzing. No one takes you closer to the fight game than the DAZN Boxing Show.